C'est une nouvelle qui fait trembler tout le pays. Le professeur Maurice Kanto convoqué plus tôt a étudié après le report de sa convocation à la gendarmerie de Bafoussam. En effet, le professeur Maurice Kanto ira directement rencontrer soit le directeur de cabinet civil de Paul Biya, soit le secrétaire général à la présidence de la République Ferdinand Ngo-Ngo pour s'expliquer. Dans des révélations exclusives que Info du Monde vous propose d'en découvrir en intégralité, un pro Kanto s'exprime sur la dite convocation du président national du MRC. En outre, il nous parle de la scène politique camerounaise et ses enjeux. Juste après le générique, suivons très attentivement les révélations de ce compatriote. J'ai déféré ce jour à la convocation qui m'a été servie par la région de gendarmerie de l'Ouest, à l'heure prévue accompagnée de mes avocats. J'ai été surpris d'apprendre que je n'étais pas attendu parce que le procureur aurait donné instruction à la région de reporter mon audition à une date ultérieure. Voulant savoir la raison de ce report, il m'a été répondu que c'est suite à la demande de report formulée par mes conseils. Or, mes conseils ont demandé un report pour le compte du président national qui est absent du pays, encore que son audition devait avoir lieu demain et la mienne aujourd'hui. J'ai constaté à cette occasion que contrairement à ce que l'opinion publique a pensé, c'est le procureur de la République qui a initié l'enquête et ordonné à la cellule de la grande criminalité de la région des gendarmeries de l'Ouest de nous entendre. La Légion est donc auxiliaire de M. le procureur dans cette affaire. Et vu la personnalité du président national du MRC, le procureur de la République de Bafoussam ne peut pas prendre sur lui de le jeter en pâture. Il a donc reçu les instructions de sa haute hiérarchie de Yaoundé, qui à son tour aurait reçu les instructions de la très très haute hiérarchie. Nous notons tout simplement que l'amateurisme avec lequel les gens veulent traiter les sujets politiques en mêlant tout montre la fébrilité du pouvoir. J'ai profité dans le petit entretien que nous avons eu pour passer le message selon lequel, contre vents et marées, Kanto sera candidat et sera élu. N'en déplaise à ceux qui vendent les cordes qui n'ont qu'à commencer à s'en servir. Albert Zonga. J'ai déféré ce jour à la convocation qui m'a été servie par la région de gendarmerie de l'Ouest, à l'heure prévue accompagnée de mes avocats. J'ai été surpris d'apprendre que je n'étais pas attendu parce que le procureur aurait donné instruction à la région de reporter mon audition à une date ultérieure. Voulant savoir la raison de ce report, il m'a été répondu que c'est suite à la demande de report formulée par mes conseils. Or, mes conseils ont demandé un report pour le compte du président national qui est absent du pays, encore que son audition devait avoir lieu demain et la mienne aujourd'hui. J'ai constaté à cette occasion que contrairement à ce que l'opinion publique a pensé, c'est le procureur de la République qui a initié l'enquête et ordonné à la cellule de la grande criminalité de la région des gendarmerie de l'Ouest de nous entendre. La Légion est donc auxiliaire de M. le procureur dans cette affaire. Et vu la personnalité du président national du MRC,
Le procureur de la République de Bafoussam ne peut pas prendre sur lui de le jeter en pâture. Il a donc reçu les instructions de sa haute hiérarchie de Yaoundé, qui à son tour aurait reçu les instructions de la très très haute hiérarchie. Nous notons tout simplement que l'amateurisme avec lequel les gens veulent traiter les sujets politiques en mêlant tout montre la fébrilité du pouvoir. J'ai profité dans le petit entretien que nous avons eu pour passer le message selon lequel, contre vents et marées, Kamto sera candidat et sera élu. N'en déplaise à ceux qui vendent les cordes qui n'ont qu'à commencer à s'en servir. Albert Zonga. Amen. Donc, vous avez tous écouté le voice, le compte rendu de papa Albert Zonga, voilà, qui nous clarifie pour avoir obtempéré à la convocation, voilà. Voilà, il nous dit ce qui s'est passé, voilà. Il nous fait un aperçu, c'est ce qui s'est passé là-bas, que ce que nous on pensait, c'est pas ça. Vous voyez que les gens veulent d'abord passer à l'intimidation. Vous savez, il y a les intimidations de mauvais goût. Mais c'est ton grand qui t'appelle pour te dire que petit frère, ce que tu veux faire là, on connaît, vous aimez la talakou. Mais ce que tu veux faire là, sache que ça peut se retourner contre nous. Donc comment tu convoques, mon frère, à pareil moment, les élections c'est en 2025. Il faut essayer, non? Je vois peut-être que vous n'êtes pas fatigué d'attendre un an encore. Parce que votre temps est passé. Vous voulez anticiper votre départ. Il y a des choses qu'on ne tente pas. Les Camerounais sont prêts. Donc celui qui va seulement, d'ailleurs celui qui rêve même seulement, même dans son rêve, le temps l'est dépassé. Hein? Le temps l'est révolu. Le temps l'est révolu. Le temps l'est dépassé. Donc celui-même qui rêve seulement, quoi qu'il va tenter de vouloir intimider le président Maurice Kamto, il n'est pas encore né. Il n'est pas encore né. Vous avez tout fui, qu'il abandonne le combat. Le gars est toujours là. Le gars est toujours là. Je vois qu'un an qui vous suffit là, ou bien un an que vous avez encore à faire là, vous n'êtes pas encore fatigué. Voilà un monsieur qui se permet de convaincre tout un gros président national d'un parti. Et de sur quoi? Celui-là qui a gagné les élections et qu'on a volé. Vous n'avez pas peur, les gars. Vous n'avez pas peur. Vous avez eu la chance que votre hiérarchie vous a rappelé et vous mettre à l'ordre. Mais Maurice Kamto, c'est la seule star du Cameroun. Et c'est la seule star que quand il sort, les personnes conscientes sortent. Est-ce que vous allez pouvoir contenir tout le monde qui va le suivre à la Légion de gendarmerie? Vous convoquez une personne. Mais si l'obtempère à la convocation, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir contenir le nombre de personnes qui vont le suivre? Parce que c'est ça le problème. Donc, votre hiérarchie, je m'adresse à la Légion de gendarmerie de Bafoussam. Votre hiérarchie a bien fait. Peut-être c'est là où vous devez sauter. Je suis sûr qu'il y aura une demande d'explication. Toi-même, là, tu convoques le monsieur là, Bafoussam, pourquoi? Hein? Nous on a la Légion ici à Yaoundé. Au moins ici là, hein? Avec le patois, avec le village, avec autant d'éléments qu'on est ici là, hein? C'est à notre avantage. Mais comment tu peux le convoquer? Mais attendez, mais ah oui, puisque c'est ce qu'ils ont créé. Voilà, ils ont créé que maintenant chaque Camerounais doit s'identifier selon son village. C'est ça, c'est ça. Et vous allez même voir que c'est sûr que celui-là qui l'a convoqué là, si vous regardez bien, c'est quelqu'un du village. Ah oui, vous allez voir que l'enquêteur, c'est du village. Waouh, parce que quand c'est Maurice Kamto, c'est trop compliqué. Le commandant de compagnie, le commandant de la Légion, on t'a sauvé mon frère. Et c'est pas qui t'a donné le genre de chantier là. Il y a les chantiers qu'on fuit, mon grand frère. Il y a les chantiers qu'on fuit. Je convoque qui comme ça? Mais oui, je connais un papa qui était sous-préfet à Batier. Voilà. Il a travaillé à Batier dans la zone de l'ouest là-bas. Il dit que la seule personne qu'il avait peur quand il venait dans son bureau, c'était Kouemou. Il dit que c'était Kouemou. Il dit que quand le président Kouemou
venait comme ça dans son bureau. C'était le problème. Un papa, un sous-préfet là, qui a épousé une grande soeur de Mbanga. Donc il disait chaque temps que la seule personne qui venait dans son bureau, qu'il avait peur, qu'à toute heure, le grand peut lui donner un mawashi ou bien une gifle, c'était le président Kouemo. Donc il y a des personnes comme le président Maurice Kamto, pour le convoquer, tu dois chercher à savoir. Est-ce que l'affaire c'est là, c'est à mon niveau? On consulte d'abord sa hiérarchie. On consulte d'abord sa hiérarchie. Maintenant, avec ce que le Cameroun est en train de traverser là, si vous voulez anticiper les choses, essayez. L'homme de Dieu calme, il attend en 2025. Il attend en 2025. Donc ce n'est pas une convocation qui peut faire reculer le président Maurice Kamto. Ce n'est pas une convocation. Parce que le tout, si on a compris, 7 ans plus tard, voilà toujours l'Axelou Douala Yaoundé. Douala Yaoundé, l'autoroute Douala Angola, 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 jusqu'à maintenant, il n'y a pas de route. Les gens continuent à mourir. Les gens meurent. Quand on demande aux gens de dénoncer, vous refusez. Hein? Quand on demande aux gens de dénoncer, vous refusez. Voilà l'Andingomo qui est mort. Le mauvais état de route. Ah oui, mauvais état de route. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est-à-dire que les contrôles, la police est en route. On interpelle un chauffeur camion. Au lieu de lui demander son dossier, a-t-il tous les pieds qui tuent? Mais attendez. On va dire que non, la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons. Qui vous a dit ça? C'est nous qui tuons. C'est la route à 80%. Et 20%, c'est les êtres humains. C'est les êtres humains, y compris les hommes en tenue. Les hommes en tenue. Tu vois une voiture qui est d'être défectueuse. Les roues sont finies. Mais tu n'interpelles pas le chauffeur camion. Il sort. C'est-à-dire que tu es assis. C'est lui qui sort. Il vient te trouver avec le dossier. Il a mis l'argent dedans. Un policier sympathise avec un usager, un chauffeur, comme si vous êtes les frères, même si vous étiez les frères, tu es dans le cadre de ton travail. Est-ce que tu as besoin de monter tes dents? Est-ce que tu as besoin de monter tes dents quand tu travailles? Tu n'as pas besoin de monter tes dents. Hein, c'est ça, on dit le front. Quand tu es au front, là, mon frère, parce que tu dois être rigoureux quand tu travailles. Pourquoi? Parce que ce monsieur parlait causer la mort des autres. Voilà un chauffeur qui a causé la mort de Landingemo. Bah oui, et il a disparu. Parce qu'il sait ce qu'il a fait. Et quand un chauffeur comme ça disparaît, il y a beaucoup d'accidents là, que les cas d'accidents, que si on veut chercher même là, parfois c'est même les règlements de compte. On ne comprend pas. Tu cognes, tu fuis. C'est même d'avoir suspect. C'est très suspect. C'est très suspect. Tu cognes quelqu'un, tu fuis, tu disparais. C'est suspect. Le Cameroun est devenu tellement compliqué. On ouvre même pas une enquête pour chercher à savoir, mais qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? Ou bien c'était où là? Il sortait d'où? On dit qu'il sortait de Ebolova, ou bien c'est de Sangmenima. Voilà, pour Yaoundé, il est sorti le matin, il est allé à Ebolova, il est quitté de Tchang, il est allé à Ebolova parce qu'il devait voyager à Yaoundé par l'aéroport. Ou maintenant, alors, il est parti, ou bien c'est à Sangmenima, ou bien c'est à Ebolova. Oui. Maintenant, il était de retour pour aller prendre son vol le soir. Maintenant, le voilà qui. On ne cherche même pas à ouvrir une enquête. Hein? Voilà les problèmes comme ça, qu'on doit nous mettre ça en public. Hein? Il est parti faire quoi là-bas? Peut-être il est parti réclamer son argent à quelqu'un. Peut-être la personne n'a pas. On fabrique un chauffeur, on dépose là pour signer avec lui. Hein? Il y a beaucoup de personnes que si on ouvre les enquêtes, vous allez comprendre que non. C'est une main qui est tapie dans l'ombre qui a anticipé sa mort. Mais oui. Donc c'est pour dire, comme je disais tantôt, il y a des personnes qu'on ne convoque pas. On regarde même les temps, le temps. Est-ce que le temps prévaut pour convoquer le président Maurice Kamto? Mais oui! Avec Maurice Kamto, ce n'est pas le populisme, c'est la vérité. Est-il populaire? Oui. C'est les personnes conscientes qui sortent pour Maurice Kamto. Donc, si vous avez les couilles, vous avez le courage, si vous avez tous les moyens requis, voilà, pour pouvoir cerner, encadrer ceux qui vont sortir quand il sera là pour tempérer à la convocation, et c'est alors, c'est simple comme bonjour. Voilà. Parce que chacun a le courage. J'aurais appris que oh, mais c'est qui a fait quoi? Ou bien c'est 80 millions qui a fait quoi? Après ça, on dit que non. Mon ami, ouais, la hiérarchie va te dire que si on veut le convoquer, on le convoque ici, là, à Yaoundé, chez nous. Ouais, parce qu'on a transformé le pays. Parce qu'il y a un qui pense qu'à Yaoundé, là, c'est chez eux. Comment toi, tu veux le convoquer là-bas, loin, 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 là? Tu veux créer les problèmes.
dont la petite paix là, hein, la tranquillité qu'on a un peu ces derniers temps-ci, quand le père ne parle pas, toi tu n'es pas content mon petit. C'est sûr qu'on m'appelait le commandant de la légion là, comme ça de Bafoussam. Comme elle dit, hein, dans le petit silence là, quand le monsieur est calme, ça ne te suffit pas. Mais qu'est-ce qui t'a même pris? Qui vous a dit que ce moment ça se passe? Et je suis que le nier là, non? Non, non, il aurait une demande d'explication. Ah oui, fais ça avec les autres, mon frère, pas celui-là. Mais oui, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Et quand l'esprit se déplace, mon ami, il se déplace avec ses adeptes. Ah oui, ses adeptes, c'est le problème. Voilà. Donc vous ne pouvez pas. Vous êtes en train de vouloir tout changer. Oh, nanani, nanana. Mon gars. L'homme prudent va le mal de loin. Le président Maurice Kamto ne fait rien pour rien. Voilà. Le président Maurice Kamto, hein, à son niveau, son statut, il ne peut pas blaguer. Il ne fait rien pour rien. S'il n'est pas allé aux élections en 2018, hein, des municipaux, des législatives, là, il sait le pourquoi il n'est pas allé. Les sénatoriales, il sait le pourquoi il n'est pas allé. Il n'est pas idiot. Voilà. Un leader se fabrique. Un leader, c'est celui-là qui a déjà vu ce que vous allez voir dans 10 ans, dans 20 ans. Il a vu ça depuis. C'est ça un leader. Et Maurice Kamto, c'est un leader. C'est un leader averti. Et quand la démarche le pôle, il sait comment ça se passe. C'est clair. Mais c'est qu'il avait compris que, mais attendez. Attendez, je vais laisser certains oiseaux de mauvais augure que j'ai découvert. Les comportements, ils vont aller être maires. Ils vont aller être députés. Ils seront sénateurs, conseillers. Ils vont se retourner contre moi. Voyons voir s'ils vont supporter. Oui, Maurice Kamto m'a enseigné. Au départ, il a dit, mais qu'est-ce que le père s'y a fait comme ça? Mais avec le temps, j'ai compris. Mon ami, il y a des victoires. Si tu es déjà proche, ok, pour la gagner, ok, si tu doutes des personnes avec qui tu es, il faut abandonner ça. Oui, il faut abandonner. Il y a des victoires, il y a des succès qui nous amènent dans la tombe parce qu'on est mal entouré. C'est le président Maurice Kamto qui m'a enseigné ça. Mais oui. Celui qui te fait la tête dans la pauvreté va te faire la tête même quand il va sortir de l'eau. Quand il va mieux vivre. Si quelqu'un te manque le respect dans la pauvreté, ne sois pas surpris que le même là, même si tu aides, il va te manquer le respect. Donc Maurice Kamto a compris que, hé, l'Enjamin, N'Djamène maire de Douala 5e. Oui, on devait remporter tout ça. Mais oui, ils sont nombreux là. Tel député. Non, il veut crier sur moi. Non, il faut faire attention. Quand tu doutes de la moralité des personnes qui t'entourent, non, il est temps pour toi de renoncer et prendre l'élan autrement. Laisse autant son temps. Ah, il n'est jamais trop tard, dis donc. Voilà 7 ans qui est passé, non? Voilà ça qui recommence, non? Voilà 7 ans qui est passé. La 7 y a date, donc passe. C'est comme si c'était hier. Voilà, maintenant certains zombies sortent du sommeil. Ils disent que, hé, dans 7 ans, voilà 7 ans, 2018. Voilà, le président Maurice Kamto est le seul homme politique qui a tenu. C'est-à-dire que, après une élection, il est toujours debout, à la une, jusqu'au prochain mandat. Il y a beaucoup là maintenant qui gesticulent, qui sortent de leur trou, de leur cachette, parce qu'ils attendent les subventions. Et pourquoi on leur donne un peu d'argent, ils disparaissent. Ils vont aller louer les bus, mettre les photos, les effigies, les bons à rien. Ils sont nombreux là. Tu vas voir que depuis qu'il fait la politique, non, il n'est rien. Et il ne sert à rien. C'est pendant les élections que tu comprends aussi, on parle de lui. Ah, le président Maurice Kamto. Non, il ne faut pas oser. Vous êtes en train de rêver debout. Vous êtes en train de rêver, les gars. Vous rêvez. Le temps est révolu, gars. On est dans la tension. Hein. Faites attention. Il dit souvent, mes frères de Mbanga Diaspora, que souvent, ils me disent que mes présidents, mais depuis, on n'a pas fait de dons. Il dit que, mais Eddy, est-ce qu'on doit faire des dons parce qu'il faut faire? On ne doit pas faire des dons parce qu'il faut faire. Si c'est le nom, on a la confiance à l'association Mbanga Diaspora. On a fait des choses que jusqu'au. Le plus important, c'est ce qu'on a fait. Et qu'on veut faire. Quand on veut faire, il faut qu'on le fasse bien. Et ça, ce n'est pas de faire les dons, on va faire les petits dons de 100 000, 500 000, c'est quoi? Non. Ce sont les dons que chacun va se sentir confortable. Nous-mêmes serons contents pour l'acte que nous avons posé. Donc, c'est ça, Maurice Kamto. Maurice Kamto n'est pas là, voilà, dans le matu vu.
C'est quelqu'un de réaliste, c'est tout. Maurice Tamto, c'est le futur président du Cameroun, que vous ne le voulez pas. Il y a même certains hypocrites là-bas qui veulent qu'on combatte pour qu'eux aussi viennent s'affirmer. Mais on connaît là chacun. On connaît ceux qui ont peur. On connaît ceux-là qui sont derrière, qui font semblant, qui bousculent les autres devant. Oui, parce que nous tous au Cameroun, on connaît qui a peur, qui est courageux. Voilà. Et puis, c'est comme ça. Au Cameroun, on connaît. Voilà. Il y a ceux-là qui vont vous dire que pardon, je ne peux pas moi. Donc, si tu n'es pas courageux, ça ne sert à rien de t'exprimer. Le peureux prend tout le côté du fort. Le peureux est obligé d'être hypocrite parce qu'il ne s'assume jamais. Donc, de grâce, si vous n'avez rien à dire, hein, tu fermes ta gueule. Au lieu d'aller te faire ridiculiser comme petit pays l'autre jour, regardez comment tout un artiste. Hein, même pour donner certains prix à certaines personnes, il faut quand même avoir le charisme. Hein. On demande à petit pays comment il trouve le Cameroun, d'où tout, tu commences à parler que le foie fait que. Pose là. Après demain matin, tu vas venir insulter. Tu vas venir insulter Longuet Longuet. Il y a match. Est-ce qu'il y a match? Ceci, c'est un grand. Un grand ne te limite pas seulement dans ce que tu fais comme. Ah, mais oui. Mais à quoi sert ton art? À quoi sert ton art? Si tu es une célébrité, si tu es un artiste, whatever you are. Quel que soit dans ce que tu as réussi dans ta vie, si tu n'as pas le courage, tu n'as pas l'audace à être aux côtés du peuple, à donner ton point de vue sur la situation politique de ton pays, tu n'es rien, tu n'es pas un leader. Ah ouh, tu n'es pas un leader. Voilà, parce que quand on parle des enfants du pays, tu es parmi. Voilà pourquoi on te donne la place. On te donne la place pour que, quand c'est chaud, on t'attend. Quand c'est chaud, tu dois parler. Vous êtes là dans votre coin, tout simplement. On veut tout. Mais après avoir fait l'accident, on ne comprend pas que, mais attendez, j'ai raté la mort. Si j'étais mort. Si j'étais mort. Dans ton point de vue, il y a des choses parfois dans la vie qui nous arrivent pour nous faire grandir. Voilà, pour nous faire grandir, pour nous faire comprendre que, mais attendez. Il fallait juste un peu pour qu'on parte. Donc, c'est-à-dire, je dois dorénavant être serviable pour mon pays. Et voilà, tu dois te servir. L'essentiel n'est pas de dire que, oh, j'ai formé tel artiste, j'ai formé ceci, cela, j'ai fait comme ça. Ya, allô? Ya. Dis pas ça, Barou. Ok. Ça, Jamboul, là. Ya. Yeah. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, les gars. C'est ça, un leader. Les leaders. Les leaders pensent que non, on est leader parce que non, je suis un, non, tu peux être un grand chanteur, mais tu n'es pas un leader. Tu es une star. Un leader, c'est celui qu'on attend de lui. Il a pris quelle position? C'est ça, on dit un leader. C'est ça, on dit un leader. Quel que soit celui qui est en face, tu dois donner ton point de vue. Parce qu'on parle du pays, de la République. On n'est pas là pour blaguer. C'est ça, on dit un leader. Soit arrête de vouloir qu'on te respecte. On te respecte pourquoi? Mais vous avez le courage pour sortir les gros mots quand il faut parler de vos petits frères. Que je suis le grand Rabat Rabi. Mais attendez, si grand Rabat Rabi est un grand chanteur, mais qui se limite à la musique. Mais qui se limite à la musique. Même les titres qu'on vous donne là, c'est les abus. Tu as mené quel combat? Quel combat petit pays a mené? Combat de quoi? Hein? Quel combat? C'est tous des profiteurs. Ce n'est que des profiteurs. Quand on dit un leader, Longuet mérite être chevalier de l'ordre. Voilà, de chevalier de l'ordre camerounais. Mérite. C'est un vrai régime. Longuet sera récompensé. Ce sera après la pyro là. Ce sera l'artiste le plus titré, le plus récompensé, le plus honoré du Cameroun. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'il faut respecter l'homme, respecter les hommes. Les gens pensent qu'aujourd'hui, avant la venue des réseaux sociaux, non, il y a des gens qui ont posé des actes hier, qu'on pouvait les enlever, on les fait disparaître. Tu vas réclamer à qui? Mais oui, avant la venue des réseaux sociaux, là. Aujourd'hui, tu parles, on t'arrête, on a crié là-bas. À l'époque, mon ami, ce système était en commun accord avec les chaînes de télévision. Ah oui, avec les chaînes de télévision. Et entre eux, là, la solidarité qu'il y a, c'est la magie. Parce que tous ces gens-là, quelque part, tous mangent. Je regardais moi un pays comme ça, là, que toutes les chaînes de télévision, les patrons, ils viennent pauvres, ils finissent riches. Puisqu'on récompense certains. Ils viennent tous pauvres, ils finissent riches.
Wow, c'est un business. Attends, n'est pas. Voilà même Facebook. Voilà les réseaux sociaux qui sont venus, non? Quand je vois certaines personnes, ils disent que mais le gars, s'il fait quoi sur les réseaux sociaux? Mon ami, tu connais ce qu'il veut dire avoir la parole? Tu sais ce qu'il veut dire avoir la parole? C'est parce que nous sommes dans les pays mal organisés. Les journalistes sont riches. Mais oui. Tu connais ce que disent les journalistes? Mon ami, est-ce que tu peux parler si fort à un journaliste? Il y a les chaînes de télévision ici là. Les TV One. Il y a beaucoup là des chaînes de télévision ici en Indonésie. Mon ami, les journalistes, la superstar n'a rien. Ça passe au Cameroun, on a clochardissé tous les corps de métier. Que pour que tu sois quelqu'un, il faut que tu sois un béni, oui, oui. Tu sais, il faut que tu joues avec le système. Un journaliste dit, man, parle quoi là? Tu vois un journaliste ici là? Tu vois le comment? C'est une star. Il sauvait les gros bras. C'est une super. Enfin, les gars ont l'argent, gars. Tu parles quoi là? Le journaliste que tu vois là, ami de son travail de journaliste, mon ami, c'est quelqu'un qui est parfois impresario des grands événements. Il voyage. Il voyage. J'ai assisté au mariage d'une star ici là. Quand je suis arrivé à l'époque, il n'était pas encore superstar, on était les amis. Il m'a invité quand sa vie a commencé à péter. Mon frère. Il t'a dit que le gars que tu vois là, je l'ai invité là, l'impresario, le journaliste que tu vois là. Il m'a dit qu'il lui a payé 150 000 dollars. Au même titre qu'on paye les grands, grands artistes là. Mon ami, les journalistes disent, man, c'est les écrivains d'abord. Mais c'est là qu'on paye, qu'on les voit, là, ils sont clochards, on les appelle, on donne 50 000, on donne 10 là. Et puis c'est les patrons de chaînes de télévision qui s'enrichissent. Alors que certains sont là, ils ne savent même pas écrire leur nom. Mon frère, laissez ça, dis donc. C'est ça. Après, demain matin, on m'a dit que non, Paul Biya a tué le pays. Mais attendez, toi-même là, tu ne vois pas que ton pays va mal. Pourquoi nous, on n'est pas aussi dit qu'on prend pour nous l'argent? On n'a pas proposé à qui? On n'a pas proposé à qui? Tant qu'on t'arrête, c'est que ce qui, après, c'est à tous les négociations après. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, même les bibous ne savent qu'ils sont en prison là. Ils peuvent accepter prendre l'argent. Ils peuvent accepter. Mais demain matin, tu vas vouloir le comparer avec toi, c'est quoi. Le Camerounais, on ne l'a pas encore appris que non. Ce n'est pas l'argent que quelqu'un possède qui fait de lui un grand homme. Non, faut faire attention. Dans ta famille, tu as des oncles qui sont des feignants. Oui. Dans ta famille, il y a des oncles là. Tu as des frères qui mangent 4 fois par jour. Chez eux, on jette même la nourriture. Pendant ce temps, toi, tu meurs de famine. Oui, il n'est pas obligé de t'aider. Mais je prends juste un exemple. C'est-à-dire qu'on définit les gens parce qu'ils ont l'argent. Non, c'est pas ça. Est-ce que les Gandhi étaient riches? Ceux dont on cite les noms là, les Thomas Sankara étaient riches. Voilà notre ère, le président sénégalais. Regardez, voilà, il sort, il quitte inspecter des impôts. C'est les gars qui ont fait l'ENA. Ils ont fait l'école d'administration au Sénégal. Voilà, c'est les inspecteurs des impôts. Voilà, ils pouvaient dire que je me contente de mon travail, je gagne bien ma vie. Au Sénégal, on paye bien. Mais c'est les gars qui ont dit que jamais. Ils ont renoncé. On les a déposés. Ils ont choqué la politique. Ils ont choqué. Quelqu'un m'a dit que non, il y a eu les négociations à la fin. Tout. Laissez ça. On ne donne qu'à celui-là qui a la volonté de prendre. Ok? Si tu ne peux pas toquer la porte de la sorcellerie, ok? La sorcellerie ne viendra pas à toi. Jamais sur la terre ici. Donc il faut me laisser ça. Voilà. Je veux le changement. Et si ça arrive, ça veut dire que j'ai provoqué quelque part. Voilà, c'est clair. Donc il faut laisser ça. Si Jean de Dieu Momo ne s'intéressait pas à la politique, c'est que peut-être on l'a jamais nommé ministre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtez de venir embrouiller les gens. Que non, et on a arrangé, il y a eu les compromissions, il y a eu nanani nanana. Arrêtez d'emmerder les gens. C'est deux jeunes qui sont engagés. Ils avaient tous les avantages. De dire que nous aussi on regarde. Ils ont dit niet. Voilà, ils pouvaient se taire et calmer la troupe dehors. Ils ont dit jamais de la vie. Jamais. Ouais. Jamais. Dans la vie, il faut toujours oser. Il faut tout oser. Alors j'ai un de mes frères là qui est un gars de Mbanga. Quand elle a commencé sa politique depuis là, je lui ai dit que si tu étais venu en Mbanga depuis ce que tu es même à jour, mais depuis les années, il est tourné. Mon frère de Mbanga, il a eu l'éveil depuis de créer son parti politique. Mais depuis les années, voilà Cabra qui est arrivé hier. Il a joué. Le voilà qui est devenu député. Ça veut dire qu'il faut toujours s'engager dans la vie.
Lui, jusqu'aujourd'hui, il a dit qu'il va être à Douala. Il dit, mais Douala, mon frère. Douala, c'est bon, mais tu vas compétir comment? On te connaît pas là-bas. Viens là où le père est. Eh non, il s'est là, il se balade depuis les années où il s'est conseillé, où il s'est conseillé. Mais comment faire? Il faut laisser ça, dis-donc. C'est qu'avant même que Kamto, le président Maurice Kamto arrive, c'est que toi là, c'est que tu l'as quelqu'un au Cameroun. Mais oui. Parce que comme tu dis que tu veux être un proposant, tu n'es pas un opposant. Par ta démarche, c'est que tu veux être un proposant. Voilà, tu as décidé de partir. Même si c'est mauvais, tu vas que faire. Mais regarde comment on te met. Ah, tu ne pèses pas, tu n'as pas le poids. Alors, tu n'as pas le poids. Alors, tu n'as pas le poids. De toi qui a couru, allez. Hein, Constantine, c'est comment? Je parle de notre frère, non, Constantine, maître. Je parle de notre frère de Mbanga. Alors. Je parle de notre frère. Il n'a pas le poids. Alors qu'il est en politique, ça fait combien d'années? Ça fait beaucoup d'années déjà qu'il a créé son parti politique. Mais il est là, il tourne, il tourne, il tourne. Il avait dit à l'époque, mon ami, viens t'installer en Banga. Alors, il a dit, viens t'installer en Banga. Alors, il a dansé, 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 dansé. Et regarde mon frère. Voilà même les nouvelles forces qui sont arrivées. Alors, il faut être à la bonne position. Tu parles que le pape, on ne te connaît pas. Tout ça. Alors, ça la vie. Bientôt, il va sortir encore. On va donner un peu l'argent, ils vont aller louer le bus. Voilà, ils vont louer le bus, ils vont mettre la photo. Les politiciens qui existent que quand. Les politiciens qui. Notre compatriote attire notre attention sur la nécessité de s'engager afin de mieux aider notre pays à avancer. Merci d'avoir suivi très attentivement cette vidéo, laissez en commentaire ce que vous en pensez et nous ferons un plaisir de vous lire. Partagez la vidéo afin qu'elle soit vue par tous, abonnez-vous sur Info du Monde et activez la cloche de notification. On se donne rendez-vous très bientôt pour une autre actualité toujours sur le Cameroun. Merci à vous.